La plupart du temps, quand les Allemands, quand les écrivains africains, ils font les écrivains africains qui ont déjà marché à Paris, oui. À Londres, ou à Londres. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'était un échange très important, pas seulement pour comprendre la situation ici au Sénégal, mais aussi pour créer des liens avec des éditeurs eux-mêmes, parce que je pense que l'intérêt pour la littérature africaine va augmenter et nous voulons être préparés. En réalisant que nous, on n'a pas toujours été assez ouverts, on essaie de changer cela maintenant. C'était intéressant d'avoir tous les éditeurs, disons la plupart des éditeurs sénégalais, et d'échanger avec quelqu'un de l'Allemagne qui est dans l'édition, et on se rend compte qu'on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes, peut-être pas résolus de la même façon, mais ce sont les mêmes thèmes qui reviennent. Et ça, c'est, je ne peux pas dire que c'est rassurant, mais ça montre que nous sommes dans le monde. L'édition sénégalaise est dans le monde, avec ses problèmes, ses difficultés, ses avancées aussi. Bon, la rencontre était très intéressante. D'abord, nous avons eu des discussions entre nous parce que c'est la situation des Sénégalais des éditeurs. Nous nous connaissons, nous nous trouvons à chaque fois pour débattre de nos problèmes de l'édition africaine sénégalaise. Maintenant, on a eu donc cet éditeur allemand. D'ailleurs, nous sommes une maison d'édition qui a eu beaucoup de traductions. Beaucoup de nos ouvrages sont traduits en langue allemande. C'est très intéressant donc d'échanger un peu, de connaître leur monde d'édition, comment ils évoluent sur les contrats, les sessions de droit, etc. Parce qu'ils vendent les droits, ils viennent acheter des droits, ils les poussent et on signe le contrat.